Mwen pense, en realite, tout moun kompren ki sa dialog ve di. Et li, nan la vi nou chak jou, nan ap eksperimente dialog chak jou, le nan pale avek ou moun, le nan eksplikon bagay avek ou moun, le nan mande eksplikasyon son bagay ke nou ba fin kompren, et loske nan fwaye nou, an dan la kay nou nou gen konflik avek madame nou, menaj nou, le nou chita nou diskute ansam, nou mette kestyon ki fe konflik ou son tab, pour regarder qui ça fait que tel bagage pas marcher bien ça il est dialogue il va aller l'autre bagage que dialogue si vous prenez le niveau pays il veut dire même bagage là lorsque pays a en crise lorsque institution pays a pas capable marcher parce que c'est eux qui font dialogue ça veut dire dialogue institutionnel ça veut dire quoi ça veut dire que exécutif là non harmonie quelque part avec législatif là avec pouvoir judiciaire là qui constitue démocratie et aussi non harmonie avec population à travers la presse donc quatrième élément de démocratie ça que nous connaît que la presse est considérée comme quatrième pouvoir parce que l'institution ça va dialoguer entre eux mais à fonctionner dans certaine harmonie conflictuelle parce que chaque monde a un intérêt de d'institution à défendre à veiller et puis mais l'institution ça va pas là encore pour faire travailler ça et bien société à la guerre et mm-hmm. nan mi ou ren moun l'opre exemple famille là et mm-hmm. on connaît que pour un dialogue réussi véritablement faut gagner sincérité bon côté deux acteurs que ce soit Maria ou bien madame c'était fait une réflexion on a dit que l'institution ou pas marché le ça ou dit tout mais faut le fond dialogue puisque démocratie ça veut dire quitter institution marché en tout même non équilibre que relé dans aux États-Unis check and balance OK pour gagner équilibre là il y en a veillé sur l'autre pour marcher peuple là même lui là dans la rue il a veillé journaliste a veillé la presse a veillé en général pour le rapporter pour dire peuple là mais ça cap passer etc. lorsque bah ça va pas exister comme institution pour fonctionner et ben on dit ben monsieur en fond dialogue avec représentants de la société pour nous voir comment nous capable de bagarre sur deux pieds justement concernant la famille ou bien concernant l'institution concernant pays tout et une phrase que m'entendez souvent et qui vient bien belle c'est au monde connaît comment dans ces compas bon il y a monde qui dans ces compas pour continuer mais oui. plus bien dans ces compas depuis bon le gars on cavalier mais en réalité c'est tango c'est tango que je prends plutôt comme exemple tango c'est tango qui par contre ça tango et on dit le compas c'est même bagarre là faut deux pour danser compas vraiment et pour bien danser. Donc, il faut que la sincérité bon côté acteur, que ce soit dans la famille, hein, que ce soit avec n'importe qui nous conflit. Il faut que les vrais dialogues là vraiment. Et dans ce sens, ça m'a rien dit. Dialogue, moi, je m'a parlé. Je ne vais pas parler de dialogue que le président Jovenel Moïse a parlé. Parce que je ne vais pas croire dans ça, l'abdi à lui-même. Je ne vais pas croire, monsieur, même croire dans ça, dialogue là. Parce que lui, tellement dit souvent, il va montrer qu'il n'y a rien que l'a fait pour le faire lui, que je me permets de dire que je ne vais pas croire, monsieur, qu'on dit ça, il dialogue. Parce qu'il faut que montrer bonne foi, il faut que montrer bonne volonté. Parfois, on a un conflit avec mon monde, Valérie. Et nous retournons dans la famille, là, quoi, dans la foyer. Là. Si on a un conflit avec madame, ou, et il y a une incompréhension entre nous deux, et mais on a un privé, il faut que son preuve pour Baliko ouvre les dialogues avec Pico, ouvre les continuer à faire autre là avec les aujourd'hui. On a dit, le chéri, bon, je vais faire une semaine, je vais me sortir pour me montrer bonne foi. Je vais faire 15 jours, je vais faire tel bagage pour me montrer bonne foi. Mais nous ne sommes pas acteurs, dans la politique surtout, parce qu'il y a trop orgueil, il y a trop de prétention, de pouvoir, etc. Fait que mon oui, mais Clarence, manquer souplesse. Clarence Benoît, et sauf que le par exemple, il y a deux mondes qui décidaient à faire une route ensemble, hein, dans le cas d'un couple. Ça arrivait que il y aurait que il va pas continuer encore et quel que soit ça au fait quel que soit initiative que vous prenez faut que divorcer et c'est ça qui explique leur aller et côté doyen là pour le faire conciliation doyen etc. mais ça pas veut dire que l'a pas abouti donc finalement nous avons toujours dit que faut qu'on divorce et c'est ça la société a estimé que le président Jovenel Moïse voyait comme signal société a quoi en grande partie que pas un rien qui possible qu'on a discuté ni dialogué à président Jovenel Moïse. C'est ça que fait aussi virulent contre toi. Non mais attendez, la question de dialogue nous pas capable dans d'accord comme si bien ou mal, comme quoi ou gain raison et pour moi même gain tort totalement. Faut nous faire équilibre là pour nous carrer bagarre là ou bien. Et dialogue là c'est pas pour moi lié personnellement et pas pour Jovenel lié personnellement, c'est pour pays allié. Faut nous clair dans ça.
On a parlé de dialogue, on va parler de dialogue pour chercher un intérêt pour un monde en particulier, pour un secteur en particulier, ou bien parce que moi-même, client, je veux le dialogue, j'ai un intérêt personnel là-dedans. Non. Il faut que nous suspendions dans le pays, garder les choses dans l'intérêt personnel, nous d'abord, ou bien dans l'intérêt de clan ou de parti, nous. On garde l'intérêt national. Qui ça qui est plus bon pour le pays? Donc, moi-même, si un peu le monde croit que le dialogue là, t'as bon, bien, insister pour nous dire, ah, nous faisons un dialogue plutôt, non. Parce que Valérie me dit, prend certains exemples que nous avons aimé reprendre avec vous là. En matière de pays, si on regarde les pays d'Haïti, crise que nous avons traversée pendant 35 dernières années, voilà. Nous avons une crise qui était collée sous nous pendant 29 ans, 30 ans, c'était la crise du Valier. Du Valier accroché sous pouvoir pendant 29 ans, 30 ans. L'y aller, nous n'avons pas fait dialogue en 86. Nous avons conseil de gouvernement, nous fêter démocratie, nous bambocher démocratie, pour prendre une expression à la mode de période là. Nous pas fait dialogue, nous pas préparé rien pour l'avenir. 87 rivé, nous allons à l'élection, au lieu que nous entendons nous souvent, nous allons faire à nous, c'est tirer ou tirer sous, monde blessé, etc. Nous allons continuer, 90, président Aristide élu, par grand dialogue, 91 coup d'État, 91 et 93 avant le tournée, tout tentative dialogue que la communauté internationale a aidé à ici fait, pas marché, jusqu'à ce que, nous sommes Dante Caputo, Lawrence Pezzullo, et sans doute dire l'autre encore que m'oublie, vini, vini, c'est fait haïtien. Jusqu'à ce qu'il y ait une défense phrase, choc, lui dit haïtien, on chromosome en moins. Nous ne pouvons pas parler. Et, soit, regardez ça qui a passé, si vous permettez de finir avec cet exemple, ça, yo. En 1993, il y a forcé haïtien à faire dialogue toujours, il y a mené un gouverneur d'Israël. Délégation président Aristide sous place, l'autre bois, il y a un exil toujours président, il y a parti Haïti avec une délégation générale CEDRAS. Monsieur Olivier, qui est facilitateur, qui a essayé de faire bagaille pour médiation, en fait, pour dialogue la fête, eh bien, Aristide avec CDS, c'est pas jamais parlé. Et Valérie, pour la petite histoire, sans doute, il y a des bagailles, pas qu'on est dans les coulisses. Mais est-ce qu'on connaît que, bon, c'est un réflexe haïtien qui fait que le dialogue n'est pas possible? Parce que, il y a un monde qui parle dans le président Aristide, il dit, si on a le bail avec CDS, c'est bon, on l'a mis empoisonné, pas l'a mis avec lui. Pas dialogue. Donc, ouais. Ça ne l'a pas fait. Et moi-même, moi, tu vois, deux symboles dans le dialogue, ça va dire. Symbole, du pouvoir militaire là, qui t'a dû finalement dire, oui, monsieur le président, vous êtes le président, donc moins courbé à vous-même, c'est le pouvoir civil, c'est ça la démocratie, les militaires pas là pour faire ça. Nous avons un bel symbole pour montrer que nous sommes capables de faire route là ensemble, comme institution pour nous capables de ranger le pays. Deuxième symbole là, c'est que au bon président, qui représente la majorité de la population, son monde noir que le dé, et puis au bon général Lamia, c'est un mulâtre. Son deuxième signal l'établit pour nous comme symbole pour dire waouh, noir, émulatio, encore une fois, jeune te fait en 1803, il retourne en tant que dans le pays. Malheureusement, nous quittons le symbole, ça a passé, et ainsi de suite, 2004 arrivé, nous pas fêté l'indépendance, on préfère tirer coup de fusil une sur l'autre dans tout le pays. Nous naïfs, c'était de l'indépendance, c'était matière fécale sous mu, et puis ZAM qui a tiré bateau sud-africain dans la de nous. Et 2010, nous sommes capables de faire un dialogue avec le président de terre, là, toujours, nous pas fait. Mais mes amis, le regard nous fait tout le bagage, ça, rachimayo, déchoucage, coup d'État, insurrection, et correction démocratique, nous pas marcher. Mais moi-même, je pense qu'un dialogue est capable de permettre pacifiquement nous arriver à des solutions. En général, il a toujours tenu compte de. Et l'aspect factuel, ponctuel, d'abord pour être capable de capitaliser sur lui, pour nous joindre le durable, le structurel, tout ce que vous voulez. Mais, sous René Préval, Clarence Renoir, le conseil de Nekap fait des ordres à ZAM, des bandits, etc. Et René Préval dit, la première phase qui c'est phase dialogue là. Et après le rencontrer avec un ensemble de monde qui ont des armes dans la main, des bandits, pour demander de déposer les armes, les monter. Et CNDD a parlé, ou gagné Alex Fizeme, ancien député qui Major Jean, etc. Dialogue, il a commencé, il a ramassé des trois âmes, etc. Après ça, le bagarre a continué à valer terrain toujours. René Préval font déclaration, il dit bon, on a nous gagné deux choix. Soit nous remettre âmes, soit nous mourir. Ça veut dire que phase dialogue là, il est fini. Bon, pas un dialogue encore. Est-ce que c'est pas ça moun yo comprenn tout dans le sens que yo croit que je dis phase dialogue la fini Jean Wem m'essayer et approcher et réalité sous René Préval là. Oui, sauf que René Préval tapé comment on va dire ça, t'as parlé avec des
monde qui est totalement illégal. Totalement illégal. Prendre des armes dans le pays, c'est un bras totalement illégal. Je vais retourner sur ça après, si vous voulez. Et là, il y a plusieurs approches. Il y a un monde qui ne peut même pas parler du tout. Il y a un monde qui ne peut même faire ben, une chance de dialogue. Non, dit, c'est, ou illégal, c'est classe. Moi, j'ai des grands fameux chefs, la police, tout le qui a dit lui-même, la bandit, c'est que lui, le cas, c'est tout le monde dans le film. Parce que c'était une solution sale, directement. Bon. Sauf que l'on en politique, bah, il est tellement fragile que ou pas qu'à faire bagarre là ou n'importe qui genre et l'on exclut des mondes dans le dialogue les cas des conséquences graves pour en 1987 dans la pétri constitution haïtienne là et bon article 291 c'est article qui te fait voter constitution mais c'est article tout qui enterre démocratie non abonné et faut déterrer démocratie parce que l'on dit comme ça du valet pas là-dedans le macoute pas là-dedans et le ça ou crée problème et c'est ça qui mène nos côtés nous aujourd'hui là donc aujourd'hui on pas qu'à dire Jovenel pas dans le dialogue là et nous pas qu'à dire PHTK par un dialogue là. Nous pas qu'à dire Lavalas par un dialogue là. Tout le monde fait pour un dialogue ça. Parce que ça n'a pas lié à son dialogue pour le pays. Là. On va parler de dialogue pour Jovenel. Pour moi-même, dans le rime clé pour son bagage pour tout le monde qui comprenne. Je dis à là pour moi-même. Hein, pour moi-même, le président Jovenel Moïse est du passé. Moi, considérez-le comme le passé. Quand on considère l'article 134.2, 7 février 21 ou 7 février 22, moi, pour moi, c'est le passé. Je dis à pays a te doit concentrer sur l'avenir. Comment construire l'avenir différemment et ensemble? Parce que frère, l'héritage de la petite là dans le pays, l'île loue, ou bon héritage économique qui catastrophique qu'on va pour hériter de Jovenel là, de président Jovenel, ou pas bon héritage sécurité, donc insécurité, avec des gangs tout partout, que le gouvernement l'a toléré. Parce qu'il va faire rien pour le retirer. Faut me clair sur ça. Il va faire rien pour le retirer. Donc, l'héritage a tellement lourd. Moi-même, fragilité question à moi, il m'a dit, malgré tout ce qui est passé là, nous sommes obligés de parler avec tout le monde pour que nous préservions la paix et la stabilité pour nous commencer à entrer sur le chemin de développement, chemin pour progrès. Moi, je respecte tout le monde qui a une opinion contraire à ce samedi. Je vais insister sur la nécessité de dialogue. Je ne vais pas venir pour me polémiquer avec le monde, je ne vais pas insulter le monde, même si je vais insulter, parce que si je dis dialogue, moi c'est un kidnappeur, moi c'est un voleur, moi c'est un assassin. Non. Mais je pense que nous avons une situation explosive dans le pays qui m'a dit pour nous faire dépassement, hein, pour ne pas avoir intérêt par nous, ou bien orgueil nous, pour nous dire, moi-même, forcément, mettez monsieur dehors, ou bien mettez monsieur, mettez d'ailleurs, t'es construit en plaisir, c'est clair pour monsieur mettre la porte pour l'attendre dans la pénitentiaire nationale. Bon. Est-ce que ouais, pour moi-même, ce n'est pas ça question. Nous, nos pays qui ont crasé la main, nous avons mérité fort et fort pour nous dire, mon cher, je ne suis pas intérêt par moi. C'est pour me rencontrer Jovenel, pour me parler avec lui, pour me dire, il faut aller dans l'ordre pour aller. Il faut aller pendant que le bras l'a maîtrisé dans le pays pour pas qu'il y ait explosion dans le pays. Mon cher, pourquoi pas le rencontrer? Et peut-être moi ajouter en 30 secondes ça, Valérie. Je me rappelle encore une fois, et l'autre jour, je consulté le monde, moi, je vais une réponse encore là-dedans. Il y a plein de monde qui est Duvalier, Jean-Claude Duvalier, allé au 7 février. Je pensais que c'est sans dialogue d'aller, c'est manifestation au cap seulement. Gonaïve, Jérémy, tu mettais le dehors. Non! C'est bien un dialogue qui fait dans les coulisses avec des acteurs haïtiens. Et moi, je viens d'apprendre l'autre jour là, il y a un monde qui dit, bon général, qui fait tout le pays, à marcher, rencontrer chaque commandant de département et de district pour dire, monsieur, prends mesure pour nous sécuriser la population, pour nous, parce que il va aller prendre aller. Donc, c'est un dialogue qui fait entre la MEA. Et entre la MEA et l'autre monde civil, pas besoin de l'autre monde, de l'opposition haïtienne anti-Duvalier, ils ont rencontré, ils ont parlé, que tu es formé Conseil national de gouvernement. Et Haïti, tu es parlé tout en 1986, avant Jean-Claude d'aller avec la communauté internationale là. Parce que les gens qui ont quitté Port-au-Prince, son avion militaire américain qui est venu chercher sous piste aéroport international Port-au-Prince là, qui coûte le terminal en France. Donc, mes amis, mais ça aurait les dialogues. On nous garde des contextes, et puisque chaque situation a un contexte pour tenir compte de lui, et Clarence Senoir. Et le fait que ou même vous gagnez position par haut, gagnez conviction par haut sur ça, je ne souhaite pas que vous fermez tête en bulle pour que vous pas ouvert pour tendre l'autre approche. Bon, bon, une approche que en pin moun véhiculé par exemple. Il y a des moun qui attendent là qui dit que une raison fait que pas quoi le possible pour chita avec Jovenel Moïse. C'est pour plusieurs raisons. Une raison yo c'est parce que héritage ou sont t'a parlé là, gens institution gangrené, gens ou vassalisé a
quelque part, faut que permettre que transition pralvinien pour mettre un l'ordre dans ça et le ça équipe qui fait toute qualité des autres ça yo yo gain pour répondre devant la justice. Or si je dis à Walchita avec équipe ça, c'est Edo pour l'aider non seulement redorer blason yo, mais deuxièmement on pral presque baillon blanc sain pour que yo vienne amnistier tête yo, alors que position moun k'a parlé là yo yo plus quoi que faut moun ça au juger pour yal juger peine yo en prison et puis pour restituer Haïti tout tort que yo fait notamment dans gaspillage d'argent l'état. Ça son approche que mon ka bon garanti que plus moun véhiculé. Et ça son approche qui va gagner rien pour loué avec pour moun di mon compte dialogue. Ça c'est la justice que lié. La justice qui pour faire travailler, la justice totalement indépendant d'un processus de dialogue. La justice pas prévu dire la justice totalement indépendante d'un processus de dialogue, de règlement de conflits pacifiques. Règlement pacifique de conflits, la justice totalement en dehors de lui-même. Sauf que, acteur yo, qui n'a processus de résolution pacifique de conflits, bien doit prendre des dispositions, si vous voulez, pour yo penser des plaies, pour éviter aggravation de situation. Il doit prendre des dispositions. Et ceci, pour permettre à Valérie Neumann, prendre deux exemples pour qui est assez clair. L'Afrique du Sud fait, lorsque Mandela sort en prison, il a accepté de gouverner après 27 ans en prison, avec même monde qui était mis en prison, ça n'a pas empêché que la justice soit faite. Il y a, on va réitérer les commissions, vérité, justice qui était mis sous pied, avec Monseigneur Desmond Tutu. Côté. Qui était venu en Haïti d'ailleurs. Il a fait crime, il a payé pour crime. Mais il y a certains monde qui ont pardonné tout et parce qu'ils ont venu confesser crime qui ont été fait et ils ont demandé pour ne pas recommencer encore. Ça son approche qui est. Et m'a bon un exemple que je suis vivre il y a pas longtemps. Moi rencontré par Zoom, je me dis rencontré faut me préciser. Il y a un conflit armé en Irlande. En Irlande nous connaissons des unionistes, monde qui voulait aligner sous la Grande-Bretagne, il y a indépendantistes qui voulaient retirer quoi. D'ailleurs ça fait un paquet de temps à faire crise en Europe. Et c'est pas si crise que l'on a là en Haïti, non? C'est bon, mon capelage, mon ap mouri, bon. Finalement, ils ont entré dans un processus de dialogue avec l'aide des États-Unis en particulier. Il y a des noms clés dans la tête, là. L'autre jour, Valérie m'a parlé avec un acteur de négociation, de dialogue qui était fait, qui débouchait sur la paix, encore fragile. Et qui ça, monsieur, dit nous, comme témoignage? Monsieur dit comme ça que lui-même qui a parlé à là, le notre dans dialogue, même famille pas comprendre ni pas d'accord avec. Pour qui ça? Parce que dans le conflit armé qui était gagné, il y a un seul qui mourit, il y a un frère qui était dans les âmes là, mais il est tout. D'ailleurs, moi-même, je considère monsieur comme un bandit, monsieur, si vous voulez considérer entre guillemets bandit. C'est-à-dire, monsieur, monsieur était impliqué dans le conflit armé, dans la manipulation, la violence là. Et il y a un frère qui est dans la prison, jusqu'à présent toujours. Il y a 14 ans, ça après, en prison. Et bien, lui-même, il signe un accord de paix. Dans le dialogue. Je parle tout avec une Israélienne et un Palestinien. C'est deux mondes, nous connaissons Israël et Palestine dans le conflit armé. C'est roquette. Et c'est aujourd'hui. C'est intervention, c'est occupation de territoire, etc. Et bien, il y a une Israélienne avec un Palestinien qui, malgré toute la guerre, contre des guerres dans deux pays, il y a un dialogue là. Il a essayé d'apaiser Bagala, il a fait Bagala, il a passé bien. C'est pas un trop de monde qui mourit. Donc, le dialogue, c'est un support extraordinaire lié à la vie, pour, à la vie en général, à la démocratie aussi, lorsque l'institution n'est pas là, lorsque il y a des problèmes. Moi, même pas parler encore une fois de dialogue, pour parler des problèmes, pour dire pardonner le monde. Non, pas pardonner le monde. La justice a pardonné le monde. Le monde qui fait crime, l'argent, qui fait crime sans, qui fait toute qualité de gargote qui gagne, la justice peut le déterminer. Ça y est, en dehors de tout. Ok, Clarisse, et, en termes de compréhension, parce que mon capitaine, il faut qu'il comprenne ce qu'il a dit. Un dialogue qui a fait, côté que a gagné un ensemble d'entités, notamment les protagonistes, et dans le cas, par exemple, objectif dialogue, ça, en tête pau, c'est qui ça lié. Ah, très bien. Merci beaucoup. Laisse-moi poser une question. Bon, tout dit d'abord qui ça le paye. Sous un dialogue, sous table là, il y a des gens qui viennent avec ça, les agendas.
et dans l'agenda, il dit, moi, je voulais pour introduire dans le dialogue là, et pour ne pas donner tout le monde qui te volé l'argent, tout le monde qui te touye le monde. Moi-même, Clarence, en premier, je voulais faire un dialogue ça, pour me clair avec vous. Le dialogue là, pour moi, mais ça, je voulais dire. Nous avons une crise politique qui a débouché sur un inconnu grave pour nous. Inconnu, hein? Nous connaissons déjà un pays d'Haïti, 1915, dans plein des zones politiques, nous, dans le commencement du XXe siècle. Là. 1994, nous avons intervention étrangère faite là, car nous, 2004, force internationale vient là, car nous, nous arrivons dans la même situation, ça encore par rapport à ça, mais qui a dessiné devant nous là. Donc, à partir de ce moment, on a le parlement, on a fait élection, on a fait insécurité, dans l'armée, kidnapping, on dit tout, mon cher, on dialogue. Ça va permettre de déboucher sur un accord pour que nous passions un moment difficile, ça, pour nous faire ça, nous besoin de faire comme objectif, c'est pour nous retomber dans la démocratie encore. Parce que là, nous dans la démocratie qu'on est là. Son président qui a pris des décrets qui est liberticide, son président qui a dirigé pour contre lui, il a même consulté tout ce qui était dans le Sénat. Nous faisons une bagarre pour contre lui. Politiquement, il n'est pas bon, ça l'a fait. Et on n'a pas avancé sur une question de référendum. La tolérer dans le pays à sécurité pas assuré, les mettre au conseil électoral contesté, les pas faire élection, il va peut-être la faire, c'est pour tout le monde qui a dû faire. Comme moi-même, une n'y a pas participé là-dedans à l'aise, dans la confiance. Et mais situation, ça pas là. On dit, on dialogue, t'as qu'à bon, pour nous faire un premier accord pour permettre que tout le bagage soit résolu rapidement. Prendre les mesures drastiques, rapides pour sécuriser le pays. Deuxièmement, pour nous créer un conseil électoral. Akimoun, mesure drastique, encore une fois, Clarence, c'est là où estimez qu'on péché. Mesure drastique, qu'est-ce qu'a pris l'État là? Allez, l'État là, dans tout l'État, il va pour les noms l'État. Lorsque le président Jovenel Moïse, ça le fait, on va te dire écrit le voyement d'assistance technique l'ONU avec l'OEA. Pour qu'on soit assistance technique qui a débouché entre État et État dans la relation bilatérale qui gagne et multilatérale. Ok, pas besoin de pilo, je ne comprends pas ça. Oui, mais attends, et en politique, vous gagnez un pile bail qui fait tout, c'est pour épater la galerie, gain l'autre, c'est pour consommation publique, et gain l'autre, c'est pour consommation internationale. Donc ça veut dire que. Si nous, même haïtiens, nous entendons la cognac là, nous disons pas de moyens, police, nous ne sommes pas capables de désarmer gang ça, nous avons besoin de support. Logistique dans mes pays. Oui, mais ça nous pas besoin. Nous pas besoin chercher. Nous pas besoin chercher midi à 14h pour nous voir que nous pas capable Grains. Eh bien, écoute, mais clair, avant tout ça va nous faire de toutes les manières, Valérie. Il faut qu'il y ait des solutions qui prennent rapidement là pour bagarrer ça. Ta fin gangrené sous nous là et que nous pas capable faire rien encore dans pays. Même gens yo prend payo, la prend n'importe qui monde. Ils sont employés dans des Radio Télé Guinée. Etc. Donc, situation ça lié intolérable, il faut qu'il y ait des solutions qui prennent, il faut qu'on baille qui fait. Non, c'est le comme ça. Bon, l'homme nous dit qu'on va faire dialogue. Bon, ok. On quitte le comme ça. Ça peut le passer. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de force pour nous retirer. Je venais de parler à la. Pas de force. Nous essayons. Il y a des gens qui sont capables de reprocher ça, ou même, par contre, non, on capable d'analyser ça, ou faire, je voulais. Mais mes amis, nous passons par toute qualité de bagaille déjà. Nous faisons de grosses manifestations. Au lendemain de manifestation, ça a fait la fête là, je vous dis, je ne vais pas vous tirer la semaine prochaine. Là. Vous devez aller quand même. Parce que Jean-Valais, ça y est, là, il n'y a pas arrêté. Il est là toujours. Pays loc, malheureusement, il perdit du commerce, du business, tout le monde va à l'école, l'université, pas travail pendant 3-4 mois. Malheureusement, il n'y a pas de solution. Qui s'est arrêté pour nous faire qu'on y a là encore? Pour nous recommencer encore? Moi, je ne crois pas que c'est pour le pays d'Haïti. Moi, je crois que c'est pour élite politique, élite économique, intellectuelle, on dit qu'on fait notre stratégie pour nous arriver à des solutions qui sont dommageables pour le pays. Parce que nous avons dommagé le pays, nous avons endommagé le monde dans le pays, nous avons cocobé le monde dans le pays. Clarence, le nom relation, garçon avec fille, hein, par exemple, et Géoun qui sentit que bah, elle a peu dégénéré entre eux parce que pour relation marché, il faut que tous les deux mounes y ouvrent, on est d'accord. Et puis, il se trouve que
et yo prend engagement pour que bon OK d'accord n'a pas essayer garder qui jeune capable arrondir les angles n'a pas garder qui jeune capable planer terrain pour nous recommencer vivre convenablement et puis c'est garder regarder nèg la continue boire clairin c'est garder regarder monsieur continue à rentrer à 2h du matin c'est garder regarder fia et cetera et cetera donc à ce moment-là auditeur tout quête mais gros problème parce que gagne des signes pour vous et pour montrer que vous gagne bon bonne foi un par exemple ça attends ah non par exemple ça bon par contre il y a un cas ça ou même un par exemple ça on dit que président Jovenel Moïse on dit lui-même tout chaque fois dit dialogue là même ou même était quoi que président Jovenel Moïse pas même quoi dans ça le dit véritablement parce que il y a des signaux s'il était quoi là-dedans il pas t'avouer question référendum question pile décret question annoncée bah élection etc mettez KEP bref donc quelque part Jovenel Moïse pour contre lui même là le dialogue il montre que il voulait avancer le bon côté le bras aller tête baissée mais dialogue là comme son bagaille comme si m'dadou faut qu'on kembel pour que monde ka croire que et on font bagaille et même kembel dialogue là et c'est là pour ne pas perdre tête non même m'dadou m'a répondu sur tous deux aspects pour qu'on trouve subtilité question m'a pour mon propre joie mais besoin devant le monde entier découvrir c'est ou même qui va le dialogue à tout bon braler dans les mondes d'ilté ou l'hymne farine pour Haïti n'a pas ou l'hymne farine 20 fois souvenez même besoin de montrer c'est ou même qui va le dialogue là c'est ou besoin de c'est ou parler nous pas besoin montrer nous pas besoin montrer nous pas besoin montrer encore il suffisamment montrer déjà non on capte toujours Valérie comprends ça Abdoulah son mari délicat que lire Valérie bon du magasin ou ce point exemple à Valérie quand on apprend l'homme dit mais nous pas réfléchir à la yobie effectivement Valérie dans certaines familles, le gain un conflit en dans une chambre, il qu'on prend la rue immédiatement sans pas qu'on gagne fait la rue. T'as l'ouvre fiamé quand il est là il prend et oublie lever la tête les bêtises abdi etc. Yo pas gagné sans foi qui était émotion fait que va résoudre problème là en dans. Mabdou Valérie. Dans certaines familles haïtiennes, les familles bourgeoises, on va connaître ça qui passe Valérie. On a un gros conflit qui t'a fait madame, qui t'a marié. Mais Valérie, pour intérêt l'argent qui déjà investi ensemble dans le couple, dans la famille, pour préserver nos familles, pour ne pas éclater, question ça résout en silence, en dedans. Quand même un divorce, quand même une séparation, ou pas comme ça. Parce que le cas dommageable économiquement pour la famille. C'est même bagarre là pour faire ça. C'est même bagarre là. Intérêt particulier que nous avons gardé d'abord là. C'est parce que nous sommes égoïstes en tant que monde, nous pensons que mon cher moi-même m'a gardé, m'a pris sale fils dans la rue, et puis m'a fini avec elle, pour l'autre même garçon, je me prends encore. Ou bien, femme m'a dit, m'a fini avec monsieur, pour même aucune autre femme, je encore. Et pourtant, dans certains côtés, côté mon réfléchi, nous avons une attitude de civilisé, nous dit, OK, nous avons des conflits, des énormes, mais nous allons résoudre lui. De telle sorte que il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'impact négatif sur le business. Naka Haïti, naka Haïti, elle n'est pas aussi simpliste. Pour une raison simple, Clarence. Je vais vous dire, 1995, la République dominicaine Chita, il y a eu une crise dans le dialogue. Dans la guerre, il y a eu moins de 2 ans sous pouvoir, les mes amis, réorganiser l'élection dans le pays. Et puis, depuis la République dominicaine, a florissante, Valérie. Nous-mêmes, nous là toujours. Nous avons des bagages individuels. Il faut nous retirer. Regarde-nous sous Jovenel Moïse. Regarde-nous pas sous Jovenel Moïse. Regarde-nous sous pays d'Haïti. Pays d'Haïti, nous avons un dialogue, Valérie. Nous avons besoin d'un dialogue, ça a des éléments tellement importants, Valérie. Nous avons dit lien dans la station de radio. Valérie, jeune ça, qui n'a pas de vidéo, qui vient de nommer. C'est en dehors de l'exploitation de mon affaire sous vous. C'est-à-dire, politiciens malhonnêtes, dirigeants pas sérieux, capotés zambayo, monde qui n'a business, qui capitalise pour faire pas, monde qui n'a trafic contre bandes qui capitalise. Valérie, son bombe sociale, parce qu'on paquet de jeunes qui pas fait rien. Si nous avons un dialogue pour nous dire qui ça va faire avec jeunesse, nous,
qui ça n'a pas frio pour pas tomber dans la bagarre ça ou encore Clarence politique Clarence la politique non mais non guito allez en pile la politique n'est pas un jeu d'enfant Clarence et où est par exemple pendant nous parler capitaliser sur Jovenel Moïse mais nous obligé faire ça parce que c'est lui même qui gagne reine pays c'est lui même qui a décidé côté la paix conduit nous c'est lui qui a décidé dans qui précipice la mettez nous ça veut dire que jodi a quel que soit soir n'a vive là moun kap dirije yo c'est eux même qui conduit nous là pour beaucoup ça veut dire moun ki mi parce que moun ki gen zam nan